ici qui m'a brinqué, là, j'étais surpris parce que je peux pas me tourner de ce côté-là du tout. Ça fait que j'ai pris un bon contact avec lui. Il y avait une dame également qui était autour de lui, là, sur une autre station. Je me rappelle plus du prénom. Mais il y avait une bonne propagation. J'ai descendu sur 430 tapelés, là, mais probablement que t'avais complètement fermé ou bien il y avait peut-être plus de propagation de votre côté. Ah, ben c'est comme ça. Là, je suis mon heure du midi, là, j'ai pris un dîner assez rapide, j'ai arrivé le dîner très près, ça fait que j'ai dû me descendre à la radio avant de retourner au travail, je commence à 13h, là, ça fait qu'on va partir vers les moins 10, là. Ça fait que Denis, tu coupes du bois, tu te prépares pour l'hiver, hein, Denis, à toi? Ah oui, je prépare un peu pour l'hiver, j'ai récupéré un petit peu de bois, là, pas bien grand-chose, là. Des chutes de chêne, des bricoles. Alors, je me chauffe pas au bois forcément, mais c'est vrai que l'hiver, on aime bien mettre un petit peu quelques petits bouts de bois là dans l'insert. Ça fait une petite ambiance et une chaleur un peu plus agréable. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a deux petits tas, mais ça suffit largement pour l'hiver. Ce n'est pas le chauffage principal, mais juste de quoi se faire plaisir un peu. L'hiver, c'est toujours agréable de voir quelques flammes. J'aime beaucoup ça. Et Nathalie aussi. Donc on essaye de le faire, ça. Mais là, je suis en train de le rentrer. Et puis, bon, il y a quelques petites choses à faire, à mettre en ordre dans le jardin, là. Ramasser les quelques kiwis qui restent. La gelée s'est chargée du reste. La gelée du printemps a fait que je ne vais pas m'étouffer avant mangeant des kiwis. Il n'y en a que 25. D'habitude, il y en a peut-être 200 ou 300. Oui, facile. Et cette année, il y a 25 kiwis. C'est pas énorme. Hein. Mais c'est comme ça. C'est pas bien grave. Et il y a deux citrouilles. Ah, voilà. Donc, on rentre tout ça avant qu'il fasse froid, peut-être. En tous les cas, il fait bon. Hein. Je suis sûr qu'il a fait plus de 20 degrés. Vraiment très très bon, très très belle journée là. Voilà William, je te donne un peu le micro, sinon après il va faire la gueule, il va plus vouloir que je vienne. Ah mais c'est Marcel qui t'a fait venir, hein. Marcel Lévy, il n'est pas là Denis, et on va le chercher. Hein. Du pelle l'odeur, là, puis mon fils m'a monté en haut, là, pour couper les branches qui peuvent nuire aux motorisés qui viennent ces terrains, hein. Ensuite, il m'a fait abattre deux bouleaux et puis trois épinettes qui nuisaient, là, ça fait que j'ai coupé ça en longueur d'à peu près 2 mètres, là, et puis ça va aller en bois de chauffage, là, pour le camping, à l'été, les campeurs aiment bien. Faire un petit peu le soir, là, ça fait qu'on coupe ça en bûche, là, et puis on fait ça, puis on vante ça, là, aux campeurs, là, pour qu'ils puissent se faire des feux. Ça fait que j'ai fait ça à midi. Ensuite, ben là, on est en train de faire la patinoire pour la municipalité, là. On a fait faire l'asphalte de la semaine passée, là, et puis là, on a fait poser les poteaux. Les poteaux d'acier sont posés, sont dans le béton, là. Et puis là, bien, il faut poser
des armatures qui vont après ça, puis après ça, on va mettre un contreplaqué de 3/4 de pouce là, pour faire les bandes de la patinoire. Ça fait qu'on est en train de faire ça, c'est pas dur à faire, là, c'est pas dur physiquement, c'est même agréable. Il fait un petit peu de froid, par exemple, Denis, à toi. Ouais, ok, Marcel, mais écoute, bon, ça fait un petit moment que j'avais pas eu de tes nouvelles, là. T'es toujours à couper du bois, Marcel, à toi. Bon, là, il en te parle, là. Ah, j'ai perdu Denis, William. T'as perdu Denis. Oh là 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 là, la charge d'émetteur, hein. Denis te demandait si tu coupes toujours du bois. Il n'a pas compris que tu étais à la retraite et que depuis que tu es à la retraite, tu travailles deux fois plus qu'auparavant. Bon, vas-y, recommence, Denis. Fais une tentative. Il semblerait qu'il a des trous dans la tête, Marcel. Ah, Marcel, tu es à la retraite, oh, mais je croyais pas, hein. Je pensais pas qu'un jeune homme comme toi, c'était déjà à la retraite. Il t'entend pas, c'est pas possible. Oh, tu parles, j'en vois quoi, moi, j'en vois rien, hein. Je suis accordé à mort. Ouais, mais accordé, tu perds que là, je suis accordé, moi aussi. Je passe par la boîte de couplage, par deux boîtes de couplage. Je passe par une boîte automatique et par une... Tu perds quoi? 10 watts? Tu perds pas 100 watts? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, je sais pas. En tous les cas, ben, tu vois, ça passe pas, la preuve, hein. Pourtant, l'antenne est en haut. Oh, mais c'est lui qui merde, la Marcel. T'entends pas, Denis? Là, il m'entend pas à moi, alors t'attends. Ah, bon, William, les gens arrivent. Ah, mais moi, je m'en fous, mais c'est Marcel. C'est Marcel qui merde un peu, là. D'habitude, j'ai jamais de bruit, puis là, j'ai un bruit assez fort. Je vais vous laisser là-dessus, William, là, moi, demain midi, ben, je vais essayer de venir faire un tour encore, et je vais avoir ma petite fille, va venir manger, là, mais ça, c'est pas grave, quand mon fils vient manger, ben, écoute, je peux pas venir sûrement, mais ma petite fille vient manger, là, mais ça, c'est pas grave, va venir faire un tour demain midi, William. Je vous souhaite une bonne journée, et à toi, là, puis les bons contacts. Okay.